Heureuse de vous retrouver à ce tout dernier numéro de la semaine du journal Le Vrai sur votre chaîne. Arrivé de Joseph Kabila à Lubumbashi, il a été accueilli par l'ancien président de la CENI, Ngoï Moulunda. Covid-19 oblige le comité d'accueil à annuler les rassemblements en rapport avec son arrivée. Bras de fer, Conseil d'État fait pour le patronat congolais. Pas d'accord avec la décision du Conseil d'État de réorganiser l'élection du président de ce patronat, car selon ce patronat, c'est la risque de créer la cacophonie dans le monde des affaires. Mécontentement à l'hôpital général de référence Aix-Mamaimo après la nomination opérée par le gouverneur de la ville, Gentilly Ngobila. Des détails dans cette édition. C'est cela quelques titres à développer. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition avec cette nouvelle. Après l'Assemblée nationale, l'Union sacrée à l'œuvre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On parle déjà d'une quinzaine de signatures collectées sur les 48 sièges dans l'objectif de faire tomber le bureau Godimpoy et le gouverneur de la ville, Gentilly Ngobila. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Le comité d'accueil a annulé les rassemblements en rapport avec l'arrivée de Joseph Kabila ce vendredi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. À Lubumbashi, il a été accueilli par l'ancien président de la CENI, Ngoï Moulunda. Gertrude Ololo nous fait le point. Suivez. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est arrivé ce vendredi 18 décembre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Mais étant donné l'interdiction de rassemblement suite à la résurgence de la Covid-19, la foule n'a pas été invitée à accueillir l'ex-président congolais. L'accueil à l'entrée de la ville, la marche avec la population ainsi que les rassemblements à la place de la poste sont annulés, lit-on dans une correspondance datée du mercredi 16 décembre. Un programme de rencontre en sera organisé dans le strict respect des mesures barrières telles que recommandées par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie de coronavirus. Pour rappel, c'est depuis le 11 décembre dernier que Joseph Kabila est à Kolwezi dans l'Oualaba, une province se trouvant à environ 300 km de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Gilbert Kankondé, par un télégramme, a convoqué Richard Mouyej à Kinshasa sans préciser le motif réel dans ce document. Selon certaines indiscrétions, le gouverneur de Kolwezi serait invité suite au drapeau de Bakata Katanga aperçu lors de l'accueil de Joseph Kabila à Kolwezi. La rumeur sur le décès de Gabriel Kyungu-Waku Mwanza sur les réseaux sociaux enflamme la toile. Contacté à chaud, Baba Kyungu s'est dit étonné et affirme qu'il se porte bien. Au micro de Peter Tiani, suivez. Baba Kyungu, bonjour. Bonjour Peter. Je suis surpris de vous entendre parler, tout le monde vous donne pour mort. Très bien, vous savez, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut, mais de toute façon... Il n'y a que seul celui qui m'a créé qui peut décider de la fin de ma vie, le bon Dieu lui-même, et lui tout seul. Mais d'où sort cette rumeur? Vous étiez souffrant? Vous avez eu un problème? Rien du tout. Je suis étonné comme vous, autant que vous. Bon, ça fait plus de 3-4 jours que les bruits circulent et tout. Bon, et je te dis. Peter, ce n'est pas la première fois, c'est pratiquement aux alentours de chaque mois de décembre dans ma vie qu'on invente une mort. Mais ici, je connais qui fomente cela. J'ai des amis, des ennemis en face. C'est ça, c'est dans leur méthode. Ce sont des gens de FCC. Voilà. C'est les gens de FCC qui sont derrière ça, tout en sachant que Kabila arrive déjà vendredi. Voilà, je crois, vous suivez les regards. Que dites-vous à tous ceux qui ont été frustrés et dérangés par cette nouvelle? À ceux qui ont été tristes comme vous et qui ont été complètement perdus dans cette... Je leur souhaite bon courage, mais nous devons rester soudés et continuer les combats. C'est ça le problème avec nos amis en face qui paniquent et alors nous devons maintenir le cap
nous sommes là, nous sommes au combat. Ma personne importe peu, c'est les résultats et c'est le peuple. Que pensez-vous de la venue de Joseph Kabila demain vendredi à Lubumbashi? Ben écoutez, ils disent qu'il viendra. Moi, je ne dépends pas de ces mouvements ou de ces humeurs. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne gère pas ces messieurs-là. Et il n'a qu'à venir comme il veut, il n'a qu'à rester où il veut, il n'a qu'à partir où il veut. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas un danger pour Baba que Kabila soit à Lubumbashi? Pas du tout, alors rien du tout. Nous sommes dans un état de droit. Je crois que personne ne peut se permettre de faire n'importe quoi sur une autre personne. Bras de fer, Conseil d'État et Fédération des entreprises du Congo, on en parle. Après avoir rejeté l'arrêt du Conseil d'État annulant l'élection d'Albert Yuma à la tête du patronat congolais, la Fédération des entreprises du Congo vient à nouveau d'adresser une fin de non-recevoir au calendrier de la Haute Cour, fixant la nouvelle élection de la FEC pour le 23 décembre prochain. Élément de Justin Manyongo, suivez. La saga Conseil d'État contre la Fédération congolaise des entreprises, FEC en sigle, n'est pas prêt de s'arrêter de sitôt. Après que le Conseil d'État ait arrêté un calendrier en vue d'une nouvelle élection à la présidente du conseil d'administration de cette structure en date du 23 décembre prochain, le patronat congolais vient d'adresser une fin de non-recevoir à la haute juridiction administrative congolaise. En effet, dans une correspondance adressée le vendredi 17 décembre au greffier en chef du Conseil d'État, la FEC dénonce la violation de ses dispositions statutaires et de son règlement intérieur en demandant une nouvelle élection en date du 23 décembre. Les patronats congolais rappellent que l'élection du 26 novembre dernier qui avait élu Albert Yuma était conforme à leurs règles statutaires. Pour finir, la FEC souligne, vu que le chef de l'État vient d'interdire tout rassemblement de plus de 10 personnes en rapport avec la résurgence de la nouvelle vague de COVID-19, il saurait donner une suite favorable à la demande du Conseil d'État. Affaire à suivre. Parlons corruption à présent. Le patron d'Access Bank vient de traduire en justice deux directeurs de l'agence de la lutte contre la corruption pour lui avoir soutiré 30 000 dollars américains pour des fins non avérées. Justin Manon, suivez. L'affaire étonne de plus en plus l'opinion. Des directeurs de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption, appelée C en sigle, se retrouvent eux-mêmes au cœur d'un scandale de corruption qui menace d'essuyer toute la présidence de Félix Tshisekedi. Les deux cadres de la PLC sont soupçonnés d'avoir exigé et perçu un acompte de 30 000 dollars américains sur les 50 000 exigés de la part du directeur général de la filiale congolaise de la banque nigériane Access Bank. Une plainte serait même déposée à l'office du procureur général près la Cour de cassation pour dénonciation des pratiques cavalières de la PLC. À en croire l'avocat d'Access Bank, les deux directeurs de la PLC se sont substitués au ministère public et au juge pour instruire et condamner en une seule journée Access Bank pour des faits de blanchiment des capitaux non avérés. Des allégations démenties catégoriquement du côté de l'Agence de prévention des luttes contre la corruption qui parle plutôt d'une caution payée à la suite des soupçons de blanchiment d'argent et de financement des terrorismes et non d'une corruption. Entre-temps, du côté de la justice, l'on apprend que Ghislain Kikangala, patron de la PLC, ainsi que ses deux directeurs d'opération accusés de corruption, sont convoqués ce vendredi 18 décembre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Affaire à suivre. Comme annoncé en titre, mécontentement à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, les agents sont montés au créneau après les nominations procédées par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Des détails avec Philippe Vumpi et Luzon Kiasi. Regardez. Grogne à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Les agents de cet établissement sanitaire public accusent Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, du népotisme. Ngobila aye ko luka ko kozwa Mamayemo en otage. Azu petit frère na ye atien na morgue. Azu grand frère atien na administration et hôpital. Donc azu alinga komi sa Mamayemo le roi la famille Ngobila. Ya ngobiso to lobi bo biso ba personnel. Ndeko na oyé aya kiwana na un mois ya pamba.
Akati biso soko zwa 50 000 euros zwa 18 000. Donc tout ça qu'on comprend de te. Assistante ba tunyo so ba zaki ma responsabilité na ba biro wana ya yena ba twasika ache bango. Tozo ye ba te soki statut nini yo ya zo sale la to sale la ki. Yango ministre ya santé lokola mama mwe zana titel na yena antito na ye ayaki ko tuna biso. Biso base. Atuni biso biso tolobi boye tozana besoin ya bana ya ndaku ba babi pasi ba babi cartographie ya mama yemu ngobila grand frère ya Gentini petit frère na ye Gentini ngobila lokola ebisa ke na kabeli yo mama yemo yango ye azolinga ko kendete imaginez vous ba gens ya parquet ba ye ko kanga ba kadena ye ye na butu dimanche abuki yango achesi ko ba kadena na ye le comité sortant de Ngobila ne peut pas travailler sur l'hôpital général Mama Yemo. Qu'il monte ou qu'il descende, ou soit nous tous nous allons quitter l'hôpital, lui va travailler. Hein? On sait que pour travailler dans une institution, tu dois être aimé. Mais nous on ne l'aime pas. Là on le dit, on ne l'aime pas. Lui, avec toute son équipe, on le dit, ils ne doivent pas travailler à l'hôpital général. On n'est pas contre que ce soit son frère. C'est un médecin et il a le droit d'être protégé par nous, l'ordre des médecins. Même si c'est son frère, ce n'est pas un problème. Mais pour nous, ce sont les principes administratifs qui doivent être respectés. Donc, un, c'est une nouvelle unité de vue administrative. Deux, un médecin qui sort de la retraite, il ne peut pas venir ici parce qu'il ne peut pas être engagé dans l'État, la fonction publique en sortant d'une retraite. L'hôpital général ne peut pas être pris en compte selon l'article 204, mais il doit être pris en compte selon l'article 202 parce qu'il est tertiaire et il dépend du niveau national. La loi sur la santé publique, la loi 018 de 2018, dans son article 13, précise que les compétences de reclasser un hôpital sont données au ministre qui a la santé publique dans ses attributions. C'est simple, c'est clair et c'est français. Donc il n'y a pas de choses compliquées. Le ministre de la Santé est invité pour mettre fin à cette crise qui sévit dans ces grands hôpitaux publics de la ville de Kinshasa. En société, inondation de l'avenue des Huileries au niveau du marché Lufungula après la pluie qui s'est abattue jeudi. Philippe Vumpi, regardez. Après la pluie, c'est les beaux temps, dit-on. Mais à Kinshasa, c'est le contraire. Nous sommes sur l'avenue Huileries au niveau du marché Lufungula où les eaux de pluie ne se renversent pas dans le caniveau suite au manque du curage. Difficile pour le véhicule et la population de circuler. Aux autorités d'agir. Tout à fait autre chose à présent. Confédération des grades académiques des finalistes de l'IFASIC à l'espace Congo Loisirs ce vendredi. Le vrai journal a été en l'honneur à travers Peter Tiani. Élément de Philippe Vumpi et Lucien Kiasse. Regardez. Pour peindre le portrait, observez le modèle, dit-on. Peter Tiani, directeur général du vrai journal. Comme modèle, des jeunes journalistes a été invité d'honneur à la cérémonie marquant la confédération de grades académiques de lauréats de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, IFASIC. Je n'ai pas confiance en vous, aucun d'entre nous ne vous a confié. Luttez pour votre vie, battez-vous pour votre vie et créez votre chemin. C'est seulement de cette manière que les gens vont vous respecter. Au cas contraire, vous serez la preuve de tous les hommes. Merci. L'étape suivante, c'est la remise symbolique de diplôme. Thank you.
félicitations aux lauréats. Tout de suite, l'invité du vrai journal. Général Kasongo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Par rapport au couvre-feu qui commence ce vendredi à 21h, il y a beaucoup de questions qui taraudent les esprits de Congolais. Y a-t-il de laissez-passer qui pourront permettre à certaines personnes de vaquer à leur occupation après 21h? Je crois que le gouvernement de Tchou, nous étions dans une réunion hier et aujourd'hui avec le gouverneur. Il dit que cette fois-ci, il n'y aura pas de badges d'exception comme la fois passée. Mais il y a quand même des mesures d'encadrement. Il y a certaines exceptions. Par exemple, les ambulances. Les ambulances peuvent circuler sans problème. Il y a les cas des malades aussi. Il y a des malades qui n'ont pas d'ambulance. La police verra si c'est un vrai malade. On voit la personne et puis la personne pourra passer. Il y a les passagers des vols internationaux et vols locaux, les vols nationaux. Alors là, il y aura ce que vous appelez boarding pass ou les billets d'embarquement qui va couvrir le chauffeur qui va venir prendre les passagers et l'accompagnateur. Trois personnes peuvent être couvertes par ces billets d'embarquement. Il y a aussi les véhicules qui viennent du Bas-Congo. Il y a l'arrêté du gouverneur qui est en cours d'application. Ils vont entrer qu'après 21h pour éviter les embouteillages. Ensuite, il y a les cas, les gens qui sont malades, qui vont chercher des médicaments, des pharmacies qui sont vertes. Là, il y a un document, il y a une ordonnance. Les gens passent pour aller prendre les médicaments. Voilà quelques exceptions qui sont autorisées à part la police. Ça veut dire qu'il n'y a pas de laissez-passer après 21h, tout le monde doit être à la maison. Tout le monde doit être à la maison. Si vous êtes dans une fête, dans une terrasse, 21h, vous êtes là, c'est que dormez dans la terrasse. Nous voyons un communiqué dans les réseaux sociaux, on dit que les journalistes qui ont des cartes de presse, cela fait office de laissez-passer à 21h. Est-ce vrai? Non, c'est faux, parce qu'il n'y a pas d'exception, que ce soit les journalistes ou quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'exception, chacun doit respecter les mesures prises par l'autorité suprême. C'est-à-dire, le couvre-feu doit être d'application. Quelle est la sanction réservée à la personne que vous surprenez après 21h? Après 21h, la personne qui va violer le couvre-feu sera gardée à vue. La personne va rester au poste de la police le matin, ou à l'endroit là où il y a la barrière, le matin à 5h du matin, la personne sera libérée sans aucune condition, sans paiement d'aucune amende. Général, quand on a un Congolais, nous sommes balandiers dans l'ingala, au lobby après 21h, laissez passer les alliés, tous les alliés, tes messages, nini, aux opérations dans le Bakinois. Bakinois, c'est que les bakinois qui couvrent le faire dans le lobby. Le lobby, les 18 à 21h, Bakinois, dans la bande de Bango. Ceux qui écoutent la Moussala, 5h du matin, ok. Mais là, bon, ça n'a qu'une français, Kolobake. On va revenir sur ça peut-être après. On va faire MAPA, on va faire autoriser. Ma maman, t'es mis tout comme MAPA. Mis tout comme MAPA, qu'on a distribué dans la grande, dans la TEPO. Mis tout comme MAPA. Autoriser, Kotambola, tout à la Kondorotika, ma MAPA. Alors, autorisation, Zali, exception, Zali, ambulance. L'ambulance est une exception, il y a un tambola. Bateau qui est dans l'hôpital, il y a un malade. Parce que l'ambulance est un mouquet. Il y a un commandant, il y a un malade, il y a un solo, il y a un solo. Il y a un peu de temps. 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 Il y a un peu de temps
Voilà quelques exceptions. Et tout le monde n'a pas eu le temps après 21h. Après 21h, le temps est passé à la poste de la police, si on a 5h du matin, on a bien la barrière, 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 on a masque. On a un masque qui était à 5000 francs, on a bien la barrière, on a bien la pour la masque, pour la couvre-feu, et tout le monde a bien la barrière. On a bien la masque, on a bien la barrière. Mais je... Et c'est qu'il faut faire respecter les gestes barrières. Bah, tu as l'église, tu peux l'église. Ah. Dans l'église, tu as appelé la terrasse jusqu'à 21h. L'église, c'est une colombie. Dans la carte, il y a l'ingomba. Et ça, il y a l'ibandaté. Dimanche, tout le monde va te libander comme il y a tout le monde. Voilà ton rokanga. L'église, mais l'église est belle. Ça, il y a une place qui est l'ibanda, mon général. Et puis, qui s'est mis. Voilà comme il y a tout le monde. Voilà comme il y a l'assemblement. L'église, dans la carte. Les bandes à la 4 5 qui tenaient salango. Les bandes à combien tout bon malade et vague malade à ma casse. Ma pasteur, basse à ma casse, bateau sa mibeko. Les amis beko à l'état. Ce qui était pour l'église, Bokangina pasteur. Ton ami, vous étiez, c'est mon nom de ma bataille bandoki. Alors, de tout ça, pas démon. N'en a pas qu'il a pas passé, bango de ma démon. Bateau sa mibeko. Ce côté, c'est une bête comme démon. La décision est aussi la moukolonine. Et ça, la durée minime. On est malade, les bandits, les petits postes, qui étaient en Zambé, à sa service. Les malades, ici, à Noki, ceux qui sont malades, ici, Noki, Mokonzi, à Robert Saorbe, qui est malade, ici. Nous sommes les appels à Bola, mon adiso. Parce que Bissot, on a Moutou Makas, on a Nicolas Tamas, qui était, on a même député dans la mission. La majorité, c'est malade, les athées. Vos salles de service, de façon que Batonio se bat tout ça. Bateau ça. Fait des attitudes qui peuvent dans ma table 10 personnes. Cérémonie exacte, ma camarade de sous ma messe, exacte dans un bébé, ma commission pour un bébé, non, aucun de ça, mais là, on a la paroisse exacte. On a caca pour aussi, bébé, ma moco pour que vous punda. Les arbres, les bambouteas, ils ont punda nango, mon ami a des bonhommes déjà, tout punda, la bataille VD, pendant que tu as déjà, moi, ma boule, les aïkuna, après, parce que ça n'a pas de map, de façon que ma policière roule à la basse à ma casse, ta cassérée, c'est raté. Batman a raison avec notre kiloki, en boutage à Batman sans contrer, peut-être que tu as la musique pour la bateau. Il y a ma casse et ma robot, de façon que Batman, ça va être mon amalé, mais pas que les raisons de la bande avant. Mais tout le monde balaye à Souka, mon général, ce qui 21h écoute, Mandela, aux anacati en bouteillage. Au Rosalanine. Ce qui est en bouteillage, commandant, au hasard, a apprécié, à quoi il va que le Mandela en bouteillage, à la commandant Zamoutou, à quoi apprécié, que bateau, les amouts en sol, à outil en bouteillage. Mais ça, c'est un peu comme ça, mais là, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça. Je balobi, mais si on encadrait les policiers, on dirait, ceux qui encadrent les policiers, c'est comme on dirait, Shida, les policiers, c'est comme la population. Général, le bini, il n'est pas dans les Cambouan. Oui, les policiers, ils sont au service de la nation, ils sont au service de la nation, ils sont au service de la nation, ils sont au la population. Ezala n'a pas ces habitants puisque nous avons pour la banque. Alors, Baka isolé, ils ont gâté. On a dit dans 80 ans, c'est pourquoi beaucoup de colonel, lobby, major, nous avons rien, nous sommes malembe, qui demande au capitaine, mais tous autres, ça la marque de façon que, t'as cassé les alentes. On s'est appelé la presse, presse à l'ingat, mais il y a qu'on fout à tête, tout ça, la monde. Donc, on tient à la police, tout le monde est policier, la barrière, à la tala, à ton copé, ceux qui attendent ici, minuit, minuit, du matin, tu la police. Mais il y a un bon côté. Il y a un bon côté, mais 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 parce que quand il parle de 21h, Moutouan a suivi le débat. Quand il parle de 20h, de façon à permettre Moutouan à son endroit. Donc, le journaliste, il y a un journaliste qui peut se dire ça après 21h, exact. Message, il y a un communiqué circulaire, il y a un locuta. Message, il y a un locuta. Badge, il y a un exact. Attends, journaliste, attends, il y a un exact. Ce que le journaliste, il y a un exact. Ce qui est en rotation, c'est un exact. Ah là, il y a un plateau. Ce qui est en exact, ah, il y a un type de police, attends, la moutarde, il y a un police. Merci mon général Kasongo, commandant de la police à Villa Kinshasa, d'avoir répondu na ba mitu na biso. Je vous en prie.
C'était le général Kasongo, l'invité du Vrai Journal. C'est la fin de cette édition, madame, monsieur. Soyez chez vous avant 21h, qui est l'heure du couvre-feu. Ce journal est terminé. Au revoir.